Salut à tous, c'est Romanitou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative sur le concept des HFR Screaming Series. Avant de commencer, j'aimerais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai été recruté par Allo.fr suite à mon activité florissante d'événements communautaires ainsi que mes débuts dans le streaming Allo. J'ai rejoint le staff de Allo.fr en tant qu'animateur et je suis devenu responsable des lives à force de streamer mes événements. Débordant d'énergie et de créativité, j'avais besoin d'organiser des événements plus particuliers, propres à moi, et ça a plutôt bien fonctionné alors que nous sommes en période creuse. Je propose des événements récurrents tels que le FF Armageddon, qui est un tournoi amateur en chacun pour soi. En date d'aujourd'hui, je suis à la 17ème édition et c'est toujours aussi fun. Je vous parle de ce concept car c'est pour moi la toute première expérience de tournoi et c'est suite à ça que je me suis proposé pour reprendre les activités e-sportives de Allo.fr. J'ai organisé plusieurs tournois online sur Allo 5 et sur Allo Wars 2. J'ai organisé seul une LAN européenne Allo 5 à Bruxelles et j'ai même collaboré avec Europa Allo pour caster ces tournois en français. Pour cela, je me suis entouré de quelques personnes de confiance pour m'aider dans la gestion de Allo.fr e-sport. Je pense notamment à Lethal, Orion, Vandal, Raichu, Katsura, Track et Zaber, qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Tout ça pour vous dire que je suis en bonne voie de faire du management e-sport et du streaming mon propre métier, et que Allo aura une grande place dans mes projets. Je vais maintenant revenir sur les HFR Screaming Series. Premièrement, c'est un concept évolutif, basé sur les scrims, qui signifie match amicaux entre les joueurs francophones. Organisé par l'équipe d'Allo.fr eSport, vous trouverez actuellement toutes les semaines des séances prévues pour Allo 5, Allo Wars 2 ou encore Allo 3. Celles-ci se déroulent tous les vendredis et dimanches, ainsi que les mercredis et samedis en alternance, une semaine sur deux. Je vous invite à vous inscrire sur le site, vous allez dans l'onglet eSport, Screaming Series, puis vous choisissez le jeu qui vous intéresse pour tomber sur un formulaire reprenant toutes les informations nécessaires à l'inscription. Vous pouvez consulter notre calendrier complet en vous rendant sur l'onglet Forum puis Événements et vous trouverez tous les événements e-sport en rouge. Deuxièmement, ces séances nous permettent d'enregistrer certains scrims et de proposer à la communauté de les commenter. En effet, si vous pensez avoir des talents de caster, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Twitter pour vous proposer en tant que tel. Je vous enverrai le lien privé vers un gameplay à commenter et il me suffira d'enregistrer votre voix. Ceci peut être éventuellement le premier pas vers un recrutement en tant que caster officiel chez Allo.fr eSport. Troisièmement, ces activités peuvent se chiffrer. En effet, tous les participants, tous les résultats et tous les gameplays enregistrés sont archivés et exploitables à la constitution d'un dossier destiné à 343 Industries. Leur soutien est bel et bien possible si on montre que la communauté eSport francophone est présente et active. Que vous soyez joueur pro, semi-pro ou amateur, il est primordial que tout le monde fasse un effort pour développer l'e-sport comme il se doit. Il est question de se préparer à l'avenir en relevant le niveau général francophone et en montrant que nous sommes une grosse communauté soudée. Le rassemblement est l'objectif numéro 1 de Allo.fr depuis toujours, et cela est possible uniquement grâce à vous, vous qui m'écoutez en ce moment même. Quatrièmement, le concept va plus loin et vous propose une saison de 13 semaines comprenant par jeu, 9 scrims, 3 cups et un tournoi final, si possible en LAN, pour clôturer la saison. L'avantage de ce projet est qu'il est modifiable au fil du temps. L'objectif est de proposer de l'activité e-sport quel que soit le nombre de participants, d'établir un petit classement des joueurs francophones et de les répartir dans des divisions Onyx, Diamant ou Platine propres à Allo.fr. Plus nous aurons une communauté qui fait des efforts pour se développer, plus il sera possible de collaborer plus étroitement avec les institutions officielles de Allo. Alors ne restez pas seul dans votre coin. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous investir réellement dans le développement de l'e-sport ou si vous avez des projets à partager. Je suis ouvert à toute collaboration du moment que le projet est sérieux et que vous avez le temps pour vous investir correctement. Pour terminer, je vous invite à suivre Allo.fr e-sport sur Facebook et Twitter pour ne rien manquer. Contactez-moi si besoin, même en vocal après un scrim, il n'y a pas de souci. Parlez de ce projet à tous vos amis. Montrez-leur la vidéo et préparez-vous à jouer. Je ne vais pas retenir plus longtemps votre attention, je n'ai qu'une chose à dire, venez au scrim. Je vous souhaite une excellente année 2019, je vous dis à la prochaine et vive Allo !